Salut à toi, aujourd'hui on parle photographie argentique une fois n'est pas coutume et on va parler plus particulièrement de la pellicule négative noir et blanc, la Ilford FP4. Alors comme je te disais, c'est une pellicule noir et blanc négative qui a la particularité d'être une pellicule 125 ISO, donc une sensibilité assez basse et qui a un grain très fin dû probablement à cette sensibilité ISO très basse. Malgré le fait que ça soit une basse ISO, la pellicule est quand même assez contrastée. Cette pellicule coûte dans sa version 135 5,90€ et dans sa version 120 7€. Ce sont des prix indicatifs parce que forcément ça fluctue en fonction des saisons et puis surtout en fonction des magasins. Là, ce sont les prix actuels donc au moment où je fais cette vidéo, au moment où elle va sortir aussi très probablement sur le site Nation Photo. C'est une pellicule donc où on aura beaucoup de détails qui sera particulièrement très intéressante à utiliser pour les grands agrandissements et donc les grands tirages du coup, parce qu'il y aura beaucoup de détails dans l'image et pas beaucoup de grains. Cette pellicule a aussi une large latitude d'exposition. Aussi, ce que j'apprécie particulièrement sur cette pellicule, c'est un petit peu aussi le cas des Ilford Delta, c'est la netteté des contours. Par exemple, pour les portraits, en fait, les traits de ton modèle vont être très détaillés et très nets. Tous ces petits détails font que cette Ilford FP4 est une pellicule tout à fait à l'aise, aussi bien en portrait qu'en lifestyle qu'en sport. Je te mets ici quelques exemples de photos que j'ai fait justement avec cette pellicule. Toutes les photos que je t'affiche ici ont été développées par moi-même avec un révélateur Ilfosol 3 de chez Ilford et un fixateur de chez Ilford également. Je ne me rappelle plus exactement le même, mais en tout cas on est sur du full Ilford pour cette vidéo. Pour les photos, j'ai utilisé donc un Hasselblad 500C avec un 80mm qui ouvre à 2.8. J'ai aussi utilisé une bague à longe de 16mm pour certaines photos pour pouvoir me rapprocher un peu plus du sujet. J'ai fait une vidéo sur ces bagues, en tout cas sur le Hasselblad. Je te mets l'affiche, je sais pas si c'est en haut à droite ou à gauche, enfin bref, tu cliques pour aller voir plus de détails sur cet appareil photo là s'il t'intéresse. Je trouve que c'est le genre d'appareil photo idéal pour tester ce genre de pellicule parce qu'il a un rendu très net et très franc, et du coup si ta pellicule est pas terrible, tu vas le voir tout de suite. Si ta pellicule est très bonne, tu le verras aussi tout de suite. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup cette pellicule parce que justement je la trouve très agréable à utiliser. Je trouve que la netteté est assez impressionnante en fait pour un film qui n'est pas vraiment un film très haut de gamme, parce que c'est pas le plus cher des films noir et blanc. Voilà, les films Ilford généralement sont pas les plus chers, mais je trouve que la netteté sur ce film là est assez impressionnante. Alors oui, c'est une pellicule avec une sensibilité assez basse, donc du coup il faut qu'il y ait des conditions de lumière assez on va dire optimales. Tu peux l'utiliser aussi bien en lumière naturelle qu'au flash. Comme je te disais au début, elle a une grande latitude d'exposition, ce qui te permet donc du coup des fois d'envoyer un petit peu le bousin avec ton flash ou justement de faire des contre-jours. Elle va être très tolérante au niveau des haute lumière et des basses lumières, ce qui est plutôt agréable à utiliser quand par exemple tu fais de la photo de rue, ou alors quand tu fais de la photo de sport avec un flash et que du coup tu peux pas maîtriser au millimètre près en fait tes hautes lumières et tes basses lumières, ce qui en fait une pellicule totalement intéressante à utiliser pour moi pour plein de types de situations. Je l'utilisais beaucoup avant, je l'ai un peu délaissé pour utiliser la Kodak T-Max 400. Je la réutilise de plus en plus maintenant, surtout pour du portrait, parce que je trouve que le résultat est très détaillé, mais en même temps assez doux. Donc c'est un peu paradoxal un peu, parce que du coup on pourrait attendre qu'il y ait un résultat trop franc, trop marqué, mais au final pas trop. Et je trouve ça vraiment super agréable à utiliser. J'ai utilisé également la Kodak T-Max 100, qui est une de mes petites favorites du moment. Mais voilà, la Ilford FP4 est moins chère. Et je trouve, à la différence de la T-Max, que le contraste est un petit peu moins prononcé, mais est en fait, on va dire,
plus facile à maîtriser, surtout au niveau du développement. En fait, tu peux y aller vraiment à la louche. Et c'est plutôt agréable quand tu ne connais pas vraiment le développement noir et blanc. D'ailleurs, en parlant de cette petite pellicule de chez Ilford, j'ai sorti des tirages justement shootés avec le Hasselblad 500C et le 80mm. Et donc la fameuse Ilford FP4. Donc c'est des tirages que je vends sur mon site ou que tu peux commander directement en m'écrivant en message privé sur Instagram par exemple. C'est donc un tirage en édition limitée, 25 exemplaires. Qui est donc numéroté et signé au dos avec donc un certificat d'authenticité. C'est un tirage que j'ai fait imprimer en papier super fine 600 grammes, donc tu vois il est assez épais, donc pas besoin de cadre pour l'afficher chez toi. Je le mets en vente à 7 euros. Voilà, je vais pas faire beaucoup de bénéfices dessus, je voulais juste faire un petit tirage d'une de mes photos qui est pas trop cher et qui est facile à pouvoir du coup transporter, parce que voilà, c'est un petit format. Hésite pas si tu as envie d'avoir une de mes photos chez toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour sur les différentes photos, n'hésite pas à faire un retour aussi sur la pellicule ou d'autres pellicules que tu aurais testées que je ne connaîtrais pas. Puis ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo photographique qui parlera forcément donc de photos, comme tu le sais, argentique, numérique, c'est toujours pas le problème. Et puis ben d'ici là, sors faire des photos, salut.